Que je vais me rapprocher le plus possible d'une bûche de section carrée. Et le bois, que ce soit chez le charron, le charcutier, l'ébéniste, le menuisier, le feuillardier, le boisselier, le tourneur, le facteur d'art, le maletier, le tonnelier, etc., etc. Même dans les fermes, il y en avait parce que c'était utilisé pour façonner les manches d'outils, des barreaux d'échelle, etc., etc., etc. Et j'ai dit que ça s'appelait un bandane, mais ça a également d'autres noms. Ça s'appelle également un chevalet, un chevalot, une dancelle, un bruit, un douleur, un banc à planer, un banc à serrer, un banc à raser, voire même une demoiselle. Entre les pointes métalliques qui sont fixes, c'est le bois qui va tomber sur les pointes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un peu d'huile afin de faciliter la rotation. Ici, je ne sers ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut, parce que si je sers trop, ça va freiner la rotation. Et à l'inverse, si je ne sers pas assez, la pièce risque d'être catapultée dans cette direction. Donc là, vous ne freinez rien. Là, par contre, vous restez sur vos gardes. Alors, en moyenne, ça arrive une fois tous les deux ans. Là, ça fait 5 ans que ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est devenu plus sécure. Je sais pas ce que c'est imminent. Sur le bandane, avec la panne, je n'ai pas éliminé toutes les arêtes, ce qui fait qu'il y a quelques imperfections plus importantes et des jouets beaucoup plus conséquents. Donc là, il faut juste faire preuve d'un peu de patience et faire plusieurs passes dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que l'on obtienne le diamètre souhaité. Donc là, je vais enlever la canne, on prend que ça passe. Je vais changer de couche, je vais en prendre une plus large. Donc je reprends une bouche, toujours l'outil légèrement incurvé. Et je viens toujours et de la droite, on revient vers le centre. Alors là, après un petit peu parcours, on va changer d'outil. Alors le problème avec la bouche, arrivé hein,
il va falloir que tu utilises des mots qui claquent. Voilà, c'est le siècle de la communication, le 21e siècle. C'est pour ça qu'on hashtag SSCC, succession de sections synergiques coaxiales. Exactement. Là, les gens, ils sont rien. Gobsmacked, ils sont impressionnés. Ah, bah ouais, ouais. Voilà. Alors, on va prendre un ciseau plat pour justement lisser cette fameuse SSCC. Retourner le cylindre. Donc ça c'est une opération que vous avez déjà vue. Comme vous êtes des observateurs, vous avez certainement remarqué les différences essentielles qu'il y a entre ce four à bois quelque peu rudimentaire et une machine plus moderne, une machine de votre époque fonctionnant grâce à la paix électricité. Alors, il y a plusieurs différences. La première c'est que moi, avec les graves. Oh là là. C'est mon péché mignon. La boîte. Quand je finis de glisser, j'en étais où au fait? J'en étais au fait. Quand j'appuie sur la pédale, ça tourne vers moi, je peux pas cliquer du tranchant ainsi que du coco. Par contre, lorsque la pédale remonte grâce à l'élasticité de la perche, eh bien le cylindre remonte dans son sens inverse, on va légèrement retirer petit en avant. Bon, ceci étant dit, là on a un cylindre, on va pouvoir le transformer en un objet plus ouvert. Là je vais marquer quelques repères. Les repères qui sont très personnels. Là, on va mettre ça. Là, on va mettre la base de couleur. Ah, des bisous dans tous les sens, qui me permet de poser des rainures plus ou moins larges, plus ou moins profondes. Alors, je commence toujours par façonner la base sur laquelle l'objet, une fois terminé, reposera. Et afin d'assurer à cet objet une bonne stabilité, bien, il faut que cette base soit légèrement concave. Alors je fais le malin là à employer des bons pédants, mais il n'y a pas si longtemps que ça que je sais comment c'était concave. Avant, je comprenais toujours concave et froid. Si cela correspond à la définition, je vais dire petit à petit, devant vos yeux, ébahi, boule. Alors bravo. Oh bah tu penses que je ne peux pas déliter. Thank you.
calciné. Ils venaient mélanger tout ça à de la graisse de porc. Et ça faisait une petite. Ah bah c'est vrai. À cette époque-là, l'eau, il ne fallait pas en boire. C'était dangereux. Parce que les rues, c'était. Thank you.